Alors ici, on est au Talus. C'est une ferme urbaine participative qui a pris forme il y a de ça maintenant un an sur des délaissés de chantier de l'autoroute de la L2. Donc, on a essayé de construire ici un lieu qui soit un lieu de rencontre et d'échange autour des différentes problématiques de consommer autrement, de produire autrement, de s'alimenter autrement. Et aujourd'hui, on cherche à créer une symbiose entre un projet qui soit en même temps environnemental, en même temps social et en même temps qu'on trouve un équilibre économique. Donc bienvenue à la ferme urbaine du Talus. Et aujourd'hui, pour les 48 heures de l'agriculture urbaine, on a organisé un atelier ce matin du champ à la récolte. Donc une grande explication du projet, du maraîchage. On a fait des semis directs en pleine terre, on a semé du pompier, on a semé aussi des plaques qui vont aller dans la pépinière, on a transplanté des laitues, on a fauché des cultures, récolté des cultures, et l'idée c'est de montrer un peu la gamme d'activités qui peut représenter le maraîchage. Cet après-midi, on a lancé un atelier bombe à graines pour montrer qu'on peut végétaliser un peu n'importe où, n'importe comment, en faisant simplement des boules d'argile avec des graines, un peu de compost. Mais c'est important de voir qu'au sein d'une ville comme Marseille, il y a tout un tas d'initiatives qui fourmillent et qui se nourrissent les unes les autres. Et c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'investissent dans des projets comme cela. Et il y a beaucoup de gens qui sont inspirés par ces projets. Donc ça fait boule de neige.